Georges et Alfred n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que ça, page 12? Il paraît que tout est scénarisé par des auteurs à Koyenta. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, scénarisé? À Koyenta. Je suis pas loin, je vais y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, en tout cas, moi je suis prêt. C'est quand tu veux. Il paraît que les aventures de ces cartoons sont tournées dans un studio à la Plaine Saint-Denis avec une grosse équipe qui entoure Stéphane Kopeckaï, le réalisateur. Stéphane Kopeckaï, c'est qui lui? À partir de là. Et on fait, je pense, jusqu'au bout. On va le tester. Je te montre. Va d'abord ouvrir ça. Il y a des petites oreilles qui vont sortir. Eh, Georges, je vais te mais ça, c'est d'ouvrir à celui-là. Ça croule, là. Ah, tout le monde. Ah, Philippe, tu dois être plus là. Un petit peu plus. Voilà, tu viens d'ouvrir le machin, tout ça. Voilà. Le moteur est demandé, Sophie. Ça tourne. Silence, les téléphones sont coupés, bien sûr. Merci de mettre le rouge. Rouge. Oui, ça tourne. Ok. Allez, action. Ah, oh, ça, c'est une super idée, Ludivine. Un lapin. Ah oh. Ce qui serait bien, c'est que tout s'enchaîne vite, quoi. D'accord. Oh, un lapin, j'ai préféré. Ah, un lapin. Ah, un lapin. Ah, un lapin. Ah, un lapin. Ah, non. Ah, nickel. Celle-là est bien meilleure. Coupez, c'est bon. Voilà. Mon gros plan, tu le tournes bientôt. Eh, filme pas les répètes, c'est secret. Des séances de doublage? Pas comme les autres, la voix de Georges n'est autre que celle du comédien Philippe Spiteri. Faut pas toujours croire ce qu'il y a dans les journaux, tu sais, Ludivine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on s'essaye. Je pense que c'est pas mal de le faire dans la... Dans la foulée. Voilà. Comme ça, tu vas te familiariser avec la scène, le rythme. Ok, tonton. Tonton. Ouais, il fait autant de bruit qu'un âne. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de petit mouvement comme ça que j'aimais bien, qu'il avait dessiné, qu'il faut qu'on sente. Mm-hmm. Eh, Georges, il a pas du tout cette voix-là dans la vraie vie, hein? Un lapin. Ce sera mieux à l'antenne, hein, ce sera fini. Derrière, toute une équipe de dessinateurs crée l'animation de Georges et Alfred. Vous voulez voir? Alors c'est ici qu'on est dessiné, hein? Pas mal. Tu as réussi à capter toute l'intelligence de mon regard. Joli coup de crayon. C'est de la caricature. Mon bec est beaucoup moins gros que ça. Tu me refais tout. Bon, il est censé vraiment s'approcher face caméra, grand angle et tout. Le corps, il devrait être un peu plus... Un peu plus déformé. Après, il sort. Premier mouvement assez rapide. Oh, un lapin. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec les couleurs et tout le tintouin. Donc voilà, on a reçu les images des animateurs, donc en couleur, tout cliné, tout beau. Et puis là, actuellement, je suis en train de les intégrer dans l'image avec ce qu'on a tourné en décor réel. On rajoute un petit filtre sur les tounes, pour les rendre un petit peu plus beau. On rajoute des petites ombres à droite à gauche. Puis on fait des petits effets spéciaux, comme des fumées, des explosions, tout ça quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est rien, c'est un effet spécial. Qu'est-ce que je fais dans ce making-of? Un lapin.
savez tout des coulisses de ces cartoons, tout ça n'est qu'une supercherie. De vous à moi, Georges et Alfred existent vraiment. Ah, pardon, excusez-moi. Allô ? Salut, Divine ! Oui ? Faut que tu viennes là. Elle-même. Le générique, on tourne. Un générique ? Générique de ces cartoons dans une fusée ? Bon, ben, oui, j'arrive tout de suite, excusez-moi, j'ai eu un peu de temps. Ah, bon, il manque quelqu'un, mais qui... Ah ouais, Philippe ! Pardon, on se retrouve très vite hein, dans sa cartoon, ok ? Allez, à plus ! Hé hey Georges, attends, c'est par là que ça se passe. Bon, allez, moteur, action, et puis... Tous les jours, le dimanche, cascade en avalanche. Avec Alfred le buzzard, sème toujours le bazar. C'est tous les jours d'ébullition, avec Georges le vantard. Toujours des dernières inventions, polymérisées, activées, attention. On fait des gags à gogo. On est quatre au labo des gags. On est le gang des gags. La gomini à gogo. Oh, qu'on est des fausses baffes. Et puis, et bon, c'est rigolo. Que des gags à gogo dans le labo des gags. Attention. Je chante juste, c'est vous qui entendez faux. Avec Alfred le plus art, nous sommes toujours le bazar. C'est tous les jours.